Salut, salut! Ça fait un petit moment que je vous ai pas mis de vidéo. Voilà, je suis désolée. Donc, j'étais partie en vacances. Je vous avais mis les résultats du concours que j'ai fait. Voilà, j'ai tiré au sort durant les vacances. Et là, je vous retrouve donc pour une vidéo. Bon, c'est pas vraiment la rentrée, mais c'est l'avant-dernier jour du mois d'août. Donc, ce sera une vidéo spéciale. On se prépare ensemble et en même temps, je vais discuter un petit peu avec vous. Donc, si vous voulez voir, c'est par ici. Voilà, alors je me suis dit que j'allais me préparer un petit peu avec vous. Alors, j'ai une seule tête, comme vous pouvez voir. Je suis très fatiguée. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. J'ai pris une petite douche. Voilà. Je vous prépare un vlog en même temps. Voilà. Donc les cheveux sont mouillés parce que je ne les ai pas séchés. Je vais les laisser sécher à l'air libre aujourd'hui. Ça leur fait du bien. C'est ce que j'ai fait pendant les vacances. Alors, aujourd'hui, je vais mettre un petit peu de spray hydratant. Donc celui-ci, hein, toujours l'un de mes sprays. Celui-là, c'est l'acide hyaluronique de chez Skincare Evolution. Donc, de Make-up Révolution. Très bien, vraiment, ce sont de très très bons sprays. Voilà, je vais attendre que ça sèche. En attendant, j'ai décidé donc de reprendre un peu là les vidéos. Ça va aller un petit peu mieux. La semaine dernière, j'étais malade. J'ai fait mon deuxième vaccin. Alors, pas de polémique là-dessus. Ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, je m'en fiche. On n'est pas là pour polémiquer. Chacun fait ce qu'il veut. Surtout, on n'impose pas son avis aux autres. Voilà. Je l'ai fait pour protéger mes parents et mes grands-mères, surtout. Mes parents sont des personnes à risque. Ils en sont âgés. Voilà. Ils ont entre 65 et 75 ans. Voilà. Ma maman a très peu d'immunité. Donc, j'ai décidé de le faire pour les protéger. Mes grands-mères ont 90 ans. Donc, c'est pareil. Voilà pourquoi je l'ai fait. Sauf que ça a été bien, j'ai eu juste un peu mal, donc on m'a piqué là, par là, puisque je suis droitière, donc on m'a fait la gauche, on m'a piqué par là. J'ai eu juste un peu mal au bras. Chéri, lui, alors, lui a eu très mal au bras, il pouvait à peine lever le bras jusqu'ici. Deuxième injection, pareil, sauf que lui avait eu de la fièvre un petit peu la première injection, et très fatigué. Là, très mal au bras. Moi, mal au bras, sans plus, mais alors en pleine nuit. Oh, malade, mais j'étais malade, j'avais mal au cœur, j'avais mal partout, au dos, mais vraiment partout, partout, très mal au bras. Je me suis levée très tôt, il était 3h du matin à peu près. Pardon. Ah ouais, c'est sec. Je continue de me préparer en même temps. Ah oui. Je vais mettre mon petit huile comme ça à base de vitamine C, donc que j'ai eu sur le site Stylvana, qui est très bien d'ailleurs, très bon sérum. Je vous ferai un retour complet sur les produits, mais je vous avais fait déjà deux vidéos dessus, sur l'ouverture et la présentation des produits, et une sur que j'ai faite en vacances d'ailleurs. Première impression sur deux produits. Donc je le mets, il est très très bien. Pardon. Donc oui, voilà, deuxième injection, j'étais très malade. Mercredi, j'avais 39,6 de fièvre. J'avais envie de vomir, j'ai vomi, une migraine, mais on aurait dit que j'avais la grippe puissance 1000. Le contour des yeux, c'est pareil. Et il est aussi à base, parce qu'il sent l'orange, donc il est aussi à base de vitamine C. Donc j'étais très très mal, le bras mal gonflé. J'ai encore un peu mal, moins parce que je peux lever plus, mais j'ai tout ce côté-là gonflé jusque-là, là-dessous. Là, c'est gonflé, c'est un petit peu dégonflé, mais voilà, en fait, bon, j'aurais pu avoir pire, hein, mais déjà fatiguée, très fatiguée. Hier, j'avais un peu moins de fièvre. Non, ça allait, j'avais pas de fièvre. J'ai eu une petite montée à 38, mais ça va. Ce matin, peut-être un peu, apparemment, mais bon. Pas grand chose, je suis juste hyper fatiguée et par contre je suis en crise avec mon dos depuis et j'ai très mal. Donc voilà. Mais je me suis dit, il faut que j'ai plein de choses à faire, donc là c'est plus possible. Je vais les faire.
sinon ça avancera pas. Bref, donc voilà. Sinon, donc j'ai vu, voilà. Ensuite, bien sûr, au résultat d'examen, ça s'est désabonné. Donc merci à ces opportunistes, hein. Donc il y aura de toute façon un prochain concours, hein, je le marquais dessus, ça sera quelque chose de spécial YouTube, si oui, ce sera utile pour les personnes qui font des vidéos. Mais alors là, je vous préviens de suite, toutes celles qui vont s'abonner, c'est même pas la peine, parce qu'il y en a qui ont voulu participer, qui n'ont même pas respecté les consignes de participation. Vous regardez pas mes vidéos, vous participez même pas, c'est pas la peine. Ma chaîne, c'est pour qu'elle vive, pour qu'il y ait un partage. Donc, il y a quelques vues. Pour le nombre d'abonnés que j'ai, 1015 abonnés, avoir que 15 ou 30 vues, je peux vous dire que, avec le, quand même, je passe du temps à faire, je cherche à ce que je peux vous faire. Je prends le temps, je fais les vidéos, je pense m'être améliorée depuis le temps que je suis sur YouTube, depuis 2011 quand même. Je ne cherche pas à devenir une super grande YouTubeuse, mais avoir quand même un minimum de partage avec les gens qui regardent mes vidéos. C'est tout ce que je demande. Donc, je pense pas que ça soit trop demandé, mais apparemment si, puisque voilà. Les commentaires, ce sont les mêmes qui commentent. Je vous remercie beaucoup, énormément, puisque vous êtes des personnes que j'apprécie énormément. Celles qui ont une chaîne, je vous regarde, je vous suis. Bon, c'est quelques derniers temps, peut-être un peu moins régulièrement, je récupère les vidéos parce que j'étais très fatiguée, mais vous savez, voilà, que je vous suis. Voilà. Donc, en fait, c'est tout ce que je voulais. Donc, je vais parler de l'avenir de ma chaîne aussi. Donc là, j'ai mis ma crème. Je vais faire mon teint vite fait juste pour donner un peu bonne mine. Je vais essayer d'enlever ces cernes. Donc, j'utilise toujours la de chez Lidl, qui est vraiment super. D'ailleurs, elle sera certainement à gagner. Sur mon Instagram, je fais pas mal de concours. Là, il y en a un cours qui se termine demain avec des masques bio. Donc voilà, pour mes abonnés, celles aussi qui regardent qui me suivent, hein, avec qui j'ai un petit partage quand même aussi sur Insta, parce que sinon c'est pas la peine. Moi j'appelle ça de l'opportunisme. Donc voilà. Donc je la ferai certainement gagner sur Insta. Elle est très bien. Donc voilà, l'avenir de ma chaîne. Alors, vu que même si je monte en abonnés, je n'ai pas de assez de je n'ai pas de vues, de toute façon on me l'a dit, hein. J'ai quand même essayé de trouver des codes promo pour vous partager, pour sur les boutiques que j'aime, qui sont vraiment très bien, qui sont pro, qui livrent, il n'y a jamais de soucis, mais bon, apparemment ça n'intéresse pas. J'ai perdu un peu mon temps en fait. Quand je vois ça, c'est vrai que ça m'attriste un petit peu. Moi, cette chaîne, c'est un peu ma vie. J'ai fait ça au début quand je travaillais pour faire connaître le métier, pour mon entreprise. J'en étais un petit peu plus claire dessous. Ensuite, j'ai pris goût parce que j'adore ça. J'adore faire les montages. J'adore pouvoir faire voilà, plein de petites choses. Un peu là parce que c'est assez marqué. Je ne peux plus travailler dans l'esthétique, donc j'essaie de garder un pied dans ce milieu-là parce que c'est un milieu que j'aime beaucoup et dans lequel j'arrive à m'épanouir. J'aurais bien aimé avoir la chance de trouver, pouvoir travailler avec quelques marques que j'aime bien. Bon, pas, c'est pas des grosses marques, mais c'est des petites marques que j'aime bien. Hélas, bon, voilà, j'ai pas assez d'interaction avec ma communauté, ce qui est dommage. Alors, c'est pas pour avoir des produits gratuits ou des choses comme ça que je vais faire ça. C'est vraiment pour garder un pied dans mon univers, mon métier. Avec ma santé, c'est tout ce qui me reste. Hein, je ne peux pas travailler, plus de travailler dedans. Donc, j'avoue que c'est très. Très triste, très blessant, très voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je vais attraper un blush crème, je vais mettre celui-ci pour changer.
un petit peu de bronzer. Je reprends en ce moment celui-ci, qui est vraiment très bien. Donc voilà, j'ai prévu là, donc j'ai un code promo qui est valable 3 mois avec le site Style Vanna, je vous l'ai mis. Donc je vais rester pendant ces 3 mois là à faire quelques vidéos. Là, j'ai des nouveautés à faire. Ce sont des cours de maquillage que je vais faire. Mais attention, je ne vais pas les faire sur moi. Je vais faire, par exemple, là, je vais faire la première, ça sera sur les sourcils. Ça sera comment faire ses sourcils. Mais surtout une construction quand on n'a presque plus de sourcils. Sauf que je vais le faire sur la personne, je vais lui faire un côté et elle fera l'autre. Et c'est ce que je vais faire pour tous mes cours. Donc, si ça intéresse vraiment, n'hésitez pas parce que je pense que ça peut être pas mal. Surtout que, voilà, ça va changer. Hein, c'est... Coucou ma fifi. J'ai voyé Louloute qui vient d'arriver. Elle est là. Elle me surveille. Voilà, enfin, je vous la montre. Hein, parce que mademoiselle, elle me surveille. On se donne une bonne mine. Bref, donc voilà, ça sera vraiment pour du maquillage pareil. Je ferai un côté sur la personne et je ferai le côté sur l'autre. Donc j'espère pour ce qui va être. Alors même la pose de l'anticerne et les sourcils. Je vais demander à quelqu'un qui a vraiment besoin. J'espère qu'elle acceptera de le faire. C'est pas évident, mais je verrai. Donc je compte faire ça. C'est quelque chose, je trouve, qui peut être sympa. On verra si ça fonctionne. Petit blush crème, c'est pareil avec le côté de l'éponge de chez Lidl, celle-ci. Donc je l'avais mouillée entièrement, donc elle a grossi un peu parce qu'elle commence à sécher, mais elle était bien humide et même ce côté. Bon, bien sûr, j'attends qu'elle soit sèche pour utiliser le blush, hein, mais bon, je la trouve très bien. Et le blush crème, je trouve que pour se donner bonne mine, il n'y a rien de mieux. Je monte un peu. Je me suis bien calée pour pas avoir mal. Enfin bon, bref, voilà déjà une idée de thème de vidéo que je compte faire. Il devrait y avoir un haul Shein, mais c'est déco. Alors attention, c'est pas de la grosse déco puisque je ne fais plus du tout ça. J'achète plus rien en fait en règle générale. Sauf tout ce qui va être housse de coussin. Donc, je vous montrerai tout ça. Je vais mettre un peu de poudre. Oups, excusez-moi. C'est tombé. Désinfecter ça. Un peu de poudre de la Révolution, je vais mettre. Donc voilà, j'ai une petite idée aussi de collaboration à demander si ça intéresse et si c'est possible à deux copinotes. Je verrai ça aussi. Il y en a plus de ce côté. Pas grave. Alors, je vais en remettre un petit peu. Voilà, pour tout ce qui va être... Après, il va y avoir la série Halloween, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer, comment je vais faire. Si je vais les faire ou pas, on verra. Je ne sais pas trop. J'ai des idées de maquillage, mais bon, on verra ce que ça va donner, si je vais pouvoir les faire ou pas. Sinon, eh ben, si avec tout ça, ça avance pas, j'arrêterai. Honnêtement, j'arrêterai parce que j'ai un signe dans l'œil. J'arrêterai parce que tout simplement, voir. Je vais le faire avec mon mascara de chez Yestal, les sourcils. Voir que j'en fais des choses et que ben, personne ne regarde, c'est vrai que c'est fatigue. C'est pas, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Donc, je sais pas.
Pourquoi vous abonner si vous regardez pas mes vidéos? Je comprends pas. Alors toutes celles, c'est pareil que j'entends. Oui, ça va faire peut-être un petit coup de gueule en même temps, mais bon, bref. Quand je vois les filles qui se plaignent parce qu'elles n'arrivent pas, ah, c'est pas mon but, mais j'ai pas mes 10 000 abonnés, j'ai pas mes 20 000 abonnés. S'il vous plaît, faites un effort, patati patata. Il y en a, j'en vois plein passer comme ça. Quand j'en vois qui, il y a quelques années, m'ont envoyé un message en me disant « Ah, super ta chaîne, j'aime beaucoup, je m'abonne, j'ai aussi une chaîne, j'ai regardé la chaîne, le contenu me plaît beaucoup, je me suis abonnée. » Elle regarde même pas plus mes vidéos depuis que je me suis abonnée, j'ai rien du tout. Franchement, je trouve ça dégueulasse. Alors moi, sûr, je ne vais pas m'amuser à faire « Tu t'abonnes, je mets des abonnés puisque gna gna gna. Tu t'es désabonné, je vais faire pareil. » Non, j'ai passé l'âge de ces gamineries. Je regarde, si le contenu me plaît pas, ben je regarde pas. Celle qui vraiment, ben je me désabonne si ça m'intéresse pas. Je m'abonne pas si le contenu m'intéresse pas. Je regarde pas les vidéos si ça m'intéresse pas. Alors certes, si j'ai des personnes chez qui je suis abonnée, je regarde pas forcément les vidéos. Tout simplement parce que j'ai pas les notifications. Et ces derniers temps, ça fait un moment, j'ai pas le temps d'aller chercher. Donc j'essaye là en ce moment, quand je me repose, de voir si pour retrouver... vérifier les notifs, essayer d'avoir de les retrouver. Je regarde sur Insta, j'arrive, ça y est, j'en ai retrouvé quelques-unes. Donc je me suis abonnée, comme ça je vois quand elles ont mis leur vidéo. Mais sinon, non, quoi, voilà. Et j'avoue qu'au bout d'un moment, bah, ça devient casse-pied. Et je trouve que c'est pas très, très honnête non plus. Voilà. Moi, je suis désolée. Quand tu te plains alors que tu as ce qu'il faut, des filles qui se plaignent alors qu'elles ont leurs produits gratuits, leur machin, leur truc, qui arrivent à se plaindre. Moi, je suis bien contente d'avoir ce que j'ai. Si je demande, c'est pour avoir des codes promo pour pouvoir les partager avec vous parce que je sais que c'est pas toujours évident de commander des choses. La vie n'est pas facile, je sais quelque chose. On n'a pas toujours les moyens d'acheter. La preuve, moi, je ne fais plus rien en nouveauté. Les petites nouveautés que j'ai vues, bah, c'était ça parce que c'était de chez voilà, Lidl, c'est pas cher. Sur Shein, je mets de côté, j'utilise mes points que j'ai, mes bons de réduction. Puis je prends quand il y a des réductions, donc comme ça je peux prendre. Voilà, j'essaye de faire au mieux, d'essayer de vous présenter des choses. Là, je vous ai pas montré, mais quand je ferai. Je vous présenterai, j'ai quelques produits bio que j'ai pris, notamment des savons, donc je vous en parlerai. Je vous ferai une petite vidéo dessus que j'ai commandé. Voilà, là j'ai pris pareil des petits trucs chez Action, c'est des masques pour essayer. Bon, j'ai trouvé rigolo, je me suis dit que ça pouvait être sympa, si c'est efficace, tant mieux. Vous verrez, si vous allez sur mon Instagram, juste après, demain, je ferai un test dessus que je mettrai mais sur en IGTV. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. C'est pareil, ces masques là, j'en ai pris d'avance, deux boîtes, ça sera gagné, mais tout sur mon Instagram. Pardon. Voilà, sur Instagram je fais autre chose. C'est pareil, j'essaye de développer d'autres petites choses. Au niveau photo aussi, j'essaye d'avoir un planning. Bon, les derniers temps c'était pas évident à faire puis c'était les vacances, mais là je vais essayer de reprendre. Il y a des jours où j'essaie de poster qu'un type de photo pour essayer que ça soit un peu plus régulier. J'essaye de faire des progrès, pareil avec les photos, de m'amuser un petit peu. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Bah écoutez, voilà, moi là j'ai fait le teint. Je ferai une vidéo maquillage rentrée aussi dans la semaine. On est lundi. Donc celle-ci, vidéo, vous l'aurez mercredi, puisqu'aujourd'hui, il n'y en aura pas. Je vais la faire pour vendredi. Et dimanche, vous aurez une vidéo exceptionnelle qui sera une vidéo vlog. Voilà, de la semaine, parce que ça sera une semaine spéciale rangement et nettoyage surtout. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre avec vous, moi. Surtout, comme ça, vous verrez comment je fais en ayant soit la béquille, soit le déambulateur. Vous verrez comment je me débrouille. Ça peut peut-être donner des idées à certaines personnes. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais faire aussi aujourd'hui? Ah si, j'ai décidé. Alors, j'ai des trous. Vous voyez, j'ai des boucles d'oreilles. J'en ai 6. J'en ai 3 de chaque côté. Ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'en ai un ici. Mais j'ai décidé de garder que les deux là à côté.
Et j'ai fait pareil de ce côté-là, mais en laissant le côté ici. Et bon, ça se voit, donc ce que je vais faire, je vais me remettre une boucle dedans, si j'y arrive. Et voilà, parce que j'avais envie d'en faire une un peu plus haut, mais j'ai peur que ça fasse très mal. Et c'est sur le cartilage, j'ai peur qu'au niveau cicatrisation, ça soit pas top, top, top. Et je ne sais pas ce que ça pourrait donner, puisque ça serait le cartilage, ça serait par ici. Donc j'ai un peu peur, je ne sais pas. S'il y a des personnes qui l'ont fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que ça fait, pour voir ce que ça donne. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout. Voilà, j'ai juste voulu faire mon teint avec vous. Me donner bonne mine. Le rouge, je vais peut-être l'atténuer un petit peu. Parce que c'est vrai qu'il y en a un peu beaucoup. Donc je vais prendre ma pinceau. Voilà, je voulais vous dire aussi ce qu'il en était de la chaîne. Voilà. Donc voilà, normalement mes vidéos, vous savez, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Je ne sais pas si je pourrais toujours garder ce rythme. En tout cas, pour le moment, tant que ça ne va pas, quand c'est pas revenu vraiment bien, 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 je vais essayer de le faire. Mais sinon, vous aurez au minimum 2 vidéos par semaine, si ce n'est pas 3. Ça sera soit le lundi, le mercredi, soit le mercredi, le vendredi, soit... Enfin bon, vous verrez. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. J'espère sinon que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, j'étais en Normandie, j'étais chez ma belle-maman, du côté du Mont-Saint-Michel. Nous avons fait des balades, nous avons pu aller à un parc, on nous a fait le test antigénique pour la journée. Oh, bah alors celui-là, waouh, j'ai eu mal. J'ai l'impression qu'on mettait du poivre dans le nez, puis après que c'était resté, mais bon voilà, c'était pour entrer. Les enfants, non, puisque c'était à partir de 17 ans qu'il fallait les faire. Donc tous négatifs, on a pu faire un tour, voilà, on s'est promené. Je vous montre, j'ai fait une petite photo, c'est un collier que j'ai pris chez Shein, en or, vous voyez, avec les petites étoiles. Je trouve assez sympa. Je mets des photos sur Insta aussi. Voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas si vous voulez à me suivre. Vous verrez, il y a vraiment plus d'autres choses que je fais. Plus régulièrement, c'est un peu plus facile des fois pour moi que de tourner quand je suis pas bien. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis donc bah bientôt pour la prochaine vidéo. Donc vous aurez celle-ci mercredi, vendredi un maquillage rentré, dimanche un vlog en vidéo bonus. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.